C'est tout. Alors attendez, t'as un menton grave sensuel. Alors toi, tu commences à me saouler avec ton second degré à la con. Déjà, tu t'appelles Marwan. Ton prénom dirait une marque de 4 quarts. Tu arrêtes de nous faire chier. Tu vas aller bouffer du gâteau yaourt avec ta mère. Et t'arrêtes de nous faire chier. Mais c'est pas possible! On nous fera chier jusqu'au bout! Et foutez-nous la paix! Le caca était aussi drôle qu'une morte, toi. Non, Chartier, le... Je sais plus. La connasse, elle était avec son iPad là, et tu sais, elle était comme ça là. Et genre, j'étais, tu vois, tu voyais bien qu'elle avait quand même cadré. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un fuck sur la photo. Ah, elle a fait donc. Connasse. Sûr, tu avais bien bouffé tes trucs de grenouille là. Je te jure. Ça a bouffé des escargots là, avec ses gosses de 12 ans là, c'est quand même toute contente et tout. Genre, vous êtes tarés ou quoi? Oh, je vous jure, je mangeais mon steak frites là, j'ai regardé grave bizarre. Dans ces moments-là, on juge trop, vous savez, les gens qui n'ont pas la même culture que nous. Genre, vous mangez vraiment des escargots, mais je suis mort si on va dans leur. En Chine ou je sais pas quoi, on mange des ramen et tout. Je suis sûr, ils se foutent de notre gueule. Pourquoi elle t'apprend? Bah, je sais pas, elle aurait pu me demander, ça m'aurait fait plaisir. J'aurais fait un câlin et tout. Je t'aime, Paris t'aime et tout, on t'aime. Genre, non, même pas. Et bah, tu vois, il y a déjà des Asiatiques que je me baladais dans Paris et tout, qui m'ont demandé de faire une photo et tout. J'ai pas trop compris pourquoi, mais du coup j'ai dit oui et tout, c'était trop mimi. Et par l'anglais, ils avaient fait merci beaucoup et tout. Genre, oh oui. Oh oui. Oh oui. C'est trop mignon. Mais celle de Chartier, là, c'est une connasse. Hein. Tu t'appelles pas Wi-Fi parce que je sens une connexion entre nous. Hein. Sécurité? Chez quel coiffeur tu vas? Je sais pas. Oh là là. Porte plainte contre le salon, hein, mais FTG, espèce de pétasse, là, tu fais la gomme. Ouais, mais porte plainte contre le salon, c'est ta mère qui te fait ta frange, toi, pétasse. Arrête de me faire chier. Je suis morte. Tu sors où à quand nulle part? Quel snap? Tu sais, c'était là où tu m'avais dit, bah, c'était avant. C'était une des soirées où je te connaissais pas, genre. T'avais ta bouteille, là, et je te filmais dans les chiottes. Et du coup, genre, tu m'avais dit que je t'avais fait peur. C'est génial. La tantine là que tu demandais, ouais. C'est complètement taré, la tantine, c'est la cantine que tu dois payer, pas la tantine. Grand fou. C'est un gars où il mais t'es con quoi là, tu te fous de ma gueule ou quoi? Dis Stéphano, déjà avec ta photo de profil, il n'y a pas grand monde qui va te répondre. Donc arrête un petit peu tes conneries. Hein. Tu nous emmerdes tous. Mais non, oh, je sais pas qui parle. Ouais, mais ça va pas. Et vous êtes complètement taré ou quoi? Non, mais ça va la Blaise et tout. Là, vous croyez grave, c'est une terrasse de café ici. Genre, ouais, je la connais, la go et tout. Mais ça va là? Vous voulez que je balance la pub ou quoi là? Non, ils sont crés à la chicha. Ouais, bah, c'est qui la go? Je la connais, elle y voit rien, je sais pas quoi là. Ça va là, hein? Vous allez vous coucher maintenant. Ça va peut-être vous faire chier. Vous êtes complètement malade. Alors attendez, un gros beauf là qui a le crâne rasé qui critique mes cheveux. Hein. Il y a un pigeon. Oh là là! Le bonhomme Michelin, je savais pas qu'il était insolent. Il y a un pigeon qui t'a chié sur tes veuches, mais je t'adore. Alors écoute-moi bien, Martin. Christophe, tu arrêtes l'insolence. Ah là, c'est quoi cette vieille mode là de se faire pousser la barbe là là? Vous êtes pris pour Jack Sparrow, ça va à personne. Vous êtes tous horribles quand vous mettez votre barbe là. Donc arrêtez, vous nous dégoûtez tous. Après, vous vous étonnez qu'il y ait des lesbiennes. On n'a pas le choix! On est à bout. Donc arrêtez vos conneries, prenez un rasoir et rasez-vous, c'est fait pour ça. Donc rasez-vous la gueule, rasez-vous la chatte et arrêtez de nous faire chier avec votre vieux bouc dégueulasse. On n'est pas aux zoos de Jurk là. Ça va à personne, ça ne te va pas, donc ne le fais pas. Je veux dire, on n'est déjà pas aidé dans la vie, donc arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues. Je vous jure que la barbe, mais ça me... toxique. Les clashs, ils volent. Bah, Steph, qu'est-ce que tu racontes? Nous ne sommes qu'amour et autre source. Vas-y, là, tu n'aimes pas. Je n'aime que moi. C'est quand je vends tes cheveux. Tu vends tes cheveux, mais t'es complètement folle. Elle sort quand? Ah, attendez, j'ai 45 minutes de montage. Hein, donc attendez un petit peu, laissez-moi souffler, laissez-moi fumer une clope, mettre du rouge à lèvres, ça va passer. Mais je t'ai rien demandé, connasse, avec tes imitations Ray-Ban. 500 personnes pour ce plouc, bah t'as vu, hein? Enfin tu me diras, il y a toujours plus de personnes dans ta chatte que sur mon live. Anyway, that's cute. T'as déjà été amoureux? Non, faut pas déconner non plus.
Ceux qui disent que t'es moche alors qu'ils ont. Mais non, mais les gens qui disent qui me trouvent moche, c'est des gens qui ont des goûts de merde et qui ont été élevés dans une cave. Regarde là, la Duke Enoch, là, ça fait une semaine qu'elle est sortie, elle vient de découvrir le soleil, elle est contente. Elle saute dans les flaques. Allez, next. T'es trop moche, ok Didier. Didier le plombier. Oh là là, mais c'est quoi ces sourcils? On dirait des limaces. Tu sais ce qu'on fait des limaces? On les tue. Va bouffer ta salade ailleurs. J'aime pas Harry Potter, j'en ai rien à foutre, Julien, tu sais, ça va pas m'empêcher de dormir. Non, j'en ai ras le cul de ce temps de merde, là, je comprends pas. Moi, je peux pas vivre avec ce temps. Hein. J'ai peur de faire des fautes d'orthographe avec toi, mais non, bah t'en as déjà fait une. Je suis tombé sur le fin fond de Twitter. On n'est pas sur Twitter, là en fait on est sur Periscope, ma chérie, mais on t'en veut pas. Tu sais, on t'aime comme tu es avec ta laideur et tes défauts. T'es quoi? T'es le king? Oh, thank you. Oh, il est trop beau. Ah, j'ai envie de t'acheter un Tamagotchi, Théo. Je veux dire, moi, je suis tellement centré sur moi que j'ai pas trop le temps de m'occuper des gens. Je veux dire, les gens qui m'insultent et tout. La seule chose que j'entends, c'est mon cœur battre. Les insultes, je les entends pas. J'ai trop de trucs à gérer. Mes sourcils, mes cils, le fond de teint. Faut que ça tienne toute la journée. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps des gens. T'es un travelot. Mais c'est pas parce que tu te maquilles que tu es un travelot. Tu ne comprends pas. T'as Daronne en easy, mais tu te calmes à parler de ma Daronne, la Titi Grosminet. Tu ressembles au pull de Sarah Frézou. Je peux dire qu'au bout de deux lavages, elle en rachète un, alors dégage. Ah! Je veux dire, à un moment, faut arrêter d'être méchant gratuit de ta gueule. Mais regardez là, cette pauvre limace là qui essaie de ramper. Tu seras jamais au niveau des escargots, ma pauvre fille. Donc, je disais avant que cette petite chure ne se mette sur mon passage. Les prochaines fois que tu prends mes expressions, je te viole. Hein. Tu es qui? Que représente ce tableau? Hein? Non, là, là, mais tu poses des questions, vilaine, c'est de un homme et une femme qui s'embrassent. Enfin, deux hommes, voyons. Bah, les gens, faut trouver qui te découvre sur Péri. Hein. Bah, eux, chercher, tu crois que l'or, tu mets le chemin pour le trouver? T'as cours à quelle heure? Moi, je sais pas, moi, je vis au jour la nuit. Ça veut dire quoi, troncher? Je sais pas du tout. Trombinoscope, troncher, je sais pas. T'aimes les tatouages, j'adore. Ton piercing est de travers, j'adore, c'est une métaphore. Ah, j'ai des remontées de Capricorne. Tu regardes The Good Place? Non, je préfère Mayas. T'as un loup dans le nez, j'adore. J'aime bien tes cheveux, merci, c'est une perruque, Fiona Montana. C'est quoi ton ascendant? J'ai pas compris. Hey chérie, comment tu vas, ça va toi? J'adore tes cheveux, thank you. Alors, quelqu'un que tu vois que je peux trouver tellement moche, il me fait pleurer du sang, tu vois, mais s'il a une personnalité géniale et qui me fait rire, eh ben le sang peut se transformer en or. Voilà, c'est tout pour moi. Levé de rideau. Tu ressembles grave à un pote, non, c'est lui qui me ressemble, un peu de respect. Qu'est-ce que ce pessimiste? Oh, ta gueule, tu as 13 ans, insolent! Respecte tes aînés, tête de pied. Coucou. C'est bien parce que quand je suis pas maquillée, vous m'insultez sur mon genre, sur mon acné et tout, et quand je suis maquillée, vous me traitez de trave. Ce que vous voulez, c'est me faire du mal. Oh, j'ai passé une de ces journées éreintantes, il a neigé et tout, j'avais l'impression d'être au pôle Nord. Oh, j'attendais les cadeaux. J'espère que votre journée ça a été. Ouh là là! Premier de. On est quel jour? Lundi, premier jour de la semaine, je suis déjà en train de slalomer entre mes affaires éparpillées dans toute ma chambre là. C'est un petit peu ridicule, mais bon écoutez, c'est la sortie à mon visage démaquillé. Mes sourcils sont particulièrement dégueulasses. Aujourd'hui, on dirait des têtards. Peut-être que. Trop snappé et tout, ma tête et tout, aujourd'hui, parce qu'en fait, quand je me suis réveillé, genre, je me suis regardé. Genre, je me suis dit, genre. Bah! C'est une caméra cachée, c'est pas possible d'être aussi dégueulasse à regarder! Ah, je sais pas ce que j'ai fait dans une autre vie hein, pour mériter ça. Pas du tout. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est éreintante, et bah éreinçante. Mais enfin, je sais pas, je trouve ça plus joli, éreinçante, éreintante. Genre dire un frelon, un truc comme ça, la famille et tout, j'aime pas du tout, ça me fait peur. Libérez les abeilles! Mes sourcils avec ce filtre, ils sont vraiment dégueux. Genre, on dirait, je sais pas, des vieilles personnes qui essayent de faire le pont, vous savez, là sur le dos et tout, quand on faisait quand on était petit. Bref, scoliose. Bref, arrêtons de pisser dans. Oh, quelle souplesse! Arrêtons de pisser dans la colle, on n'est pas là pour faire de la pomme-pote. Et. J'ai toujours pas compris pourquoi j'avais le visage de votre daronne. Genre, on dirait une trentenaire. J'aime bien, écoutez, pourquoi pas, j'allais chercher les gosses, la petite Lilou à la crèche, pour aller faire des crêpes. Genre, ça met un peu de couleur, enfin, je veux dire, je suis un peu votre mère spirituelle. Oh, je vous jure, je ressemble à une daronne, ça me fait de plus en plus peur. Bisous à toutes les darons, quand même, parce que vous êtes quand même les plus belles femmes du monde. Faut que j'arrête, j'ai encore voyagé, là, je regarde les vidéos d'Ilan. Ilan, pas Dylan, quand même, un peu de respect, vilaine. Bisous à tous les Dylan de France, on vous aime! Donc les copines, si la vie vous fait trébucher, n'oubliez pas que ce n'est qu'un entraînement pour les défilés. Oh, j'adore! Oh putain, sa mère, je suis vraiment un génie des mots. Entre guillemets, mon
Rafista, des hommes, des femmes ou des plantes vertes ont envie de se foutre du fond de teint sur la gueule, eh bien faites-le. Et si vous vous sentez mal par rapport au fait, par rapport au regard des autres et tout, bah rajoutez-en une couche, hein. Ça fera bouclier. Copine, aujourd'hui j'ai pas trop snappé et tout, mais oh connasse, c'est de l'insolence! À chaque fois ils me foutent un filtre là, tu vois bien que j'ai pas de visage! Oh connasse! Bon alors est-ce qu'on va arriver? Oh là 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 là! Mais c'est oui bah ça crame, ça crame. Elles sont toutes collées, t'es crème! Regardez, tu la doubles. Accélère, t'es qu'à 130, me balle, baisse. Elle est folle celle-là. Non, 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 et moi on me regarde pas mal. Défense-lui le capot. On prend la sortie, je veux pas. On s'en fout, on fait un détour, ça nous fait voir le paysage, le périph' et tout là. J'adore. Et oh là là, tu vas vite là, j'ai peur. Doucement. Faut calmer la bête. Oh là là, arrête de rouler aussi vite. Moi j'ai de l'avenir, hein. Tu fais ça toute seule si tu veux, mais pas quand je suis à bord. Oh là là, j'adore. Accélère. Ah, oh, ça m'excite, continue. Arrête! Mais arrête! Putain, j'ai marre. Complètement malade, hein. On sait jamais si le mec il est beau. Il fait froid, il y a quelqu'un qui est décédé ou quoi? Chut. Ouais, ça va, il dort pas à 21h40.